Eh bien, salut tout le monde, c'est Faredj et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau stream sur Fire Emblem Radiant Dawn. On se retrouve, la guerre totale est proche. Galia est assiégée. Libignon sont arrivés. Dain a disparu, pour l'instant on sait pas trop où ils sont. Crimea, elle sait pas trop quoi faire, mais elle va sûrement nous aider. Et il reste plus que les dragons. Il y a que les dragons qui n'ont pas pris part au conflit, et les corbeaux d'une certaine façon, on les a pas vraiment vus non plus. Mais bon, c'est le bordel, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc c'est parti, on a terminé la mission 10, on part sur la mission 11 au cœur de Crimea. Attendez, hop, j'ai pas réglé mes fenêtres. Si je règle pas mes fenêtres, c'est pas bien. Il y en a qui vont râler si j'ai pas ma soundboard. Du coup, là, on avait tout réglé. Hein. On avait acheté ce qu'on pouvait acheter, en tout cas. Et voilà. Donc, c'est parti. Au cœur de Crimea. Let's go. Oui, d'ailleurs. Non. C'est parti. Pardon. C'est là. C'est pas la sauvegarde. Oui, enfin, calmez-vous, rappelez-vous que vous vous êtes fait un peu poutrer la gueule, hein. Coucou, Valen. Ça parle mal. Tibarn, du calme, du calme, voyons. Thank you.
Mon avis, Zeljus, ça va border pour lui. J'espère qu'on pourra le recruter. Tu verras, Fallen, tu verras. Bon alors, unité, voyons voir. Toi, oui, toi, non. Mordecai non plus. Du coup, qui on va... Bon, eux, on les garde. Hein. Qui on va rajouter? Est-ce que je rajouterai pas... Bon, pff, Myst, c'est limite pour le LOL, quoi. Qui je pourrais rajouter? Je me suis mis du brandy dans le... Bien joué, Fallen, bien joué. Bien joué, bien joué. Qui on va prendre? Bah, gâteau. Alors attendez, faites voir un peu la compo. Il y a des gros chevaliers, Dracocide, il faut faire attention. Il y a des mages, pas mal de cavaliers, quelques chevaliers wyvern. Il y a beaucoup de cavaliers quand même. Hein. Donc, je dirais que face à toutes ces cavaliers. Face à tous ces cavaliers, Gatori, ça pourrait être pas mal. Ou alors deux healers. En vrai, je regrette presque de pas avoir joué Myst, parce que mine de rien, j'aimerais bien la faire changer de classe. Bon, là, ça va être un peu compliqué de la faire changer de classe, hein, on va se le dire clairement. Titania, elle est à deux niveaux de changer de classe aussi. Ça pourrait être intéressant de la prendre. Parce que Myst, en vrai, même si j'aimerais bien la prendre, je sais qu'elle va pas faire grand chose sur cette game. Donc on va prendre Gatori et Titania. Ils ont quoi comme arme? Ouais, Titania ça va. Gatori, ça devrait aller aussi. Donc on va faire ça. Allez, c'est parti. Sauvegarde rapide. Hop, sauvegarder l'état. Oui. Et c'est parti. Alors, bah tiens, on va commencer avec... Alors, on va commencer avec toi, mais on va quand même regarder combien de... 10, mais ils ont pas beaucoup de précision, donc... À la limite, attendez, qu'est-ce qui serait le plus intéressant de faire niveau XP? Toujours pareil, hein. Toi, on va te mettre là. Au javelot, 18, vas-y. Ensuite, Nefeni, vas-y. En plus, elle a effroi, donc ça réduit quand même la précision des autres, c'est plutôt pas mal. Voilà. Là-haut. Là, c'est des alliés, donc c'est bon. Ike, toi, direction l'arène. Comment on va faire pour les autres? Quoi? Ouais, si, je vais te mettre là. Ouais. Arc d'acide, 17-34. Case 15-30. 8 et 8, non. Bon, ben, arc de Shinon, alors. Allez. Prends l'XP, mon petit Rolf. Prends l'XP. Voilà. Après, Titania.
pourrais te mettre là. Il y a toi. Toi, faut que je fasse attention parce que il y a. Il y a je sais plus qui a. Il ouais, y a toi qui a un Dracocide. Culbert. Je sais pas pourquoi il a un nom lui. Ah, Culbert, d'accord, ils s'appellent tous Culbert. Ok, d'accord. C'est pas des Baignons, c'est des Culbert. Ok, donc toi, faut que je fasse attention au Dracocide. Toi, avance. Toi, là. Mia, là. Ranulf, là. Titania, tu vas te mettre là et tu vas protéger quand même Rolf. On va pas... On va faire attention, quoi. Voilà. Éventuellement, il y a peut-être un archer qui peut l'attaquer, mais l'archer, c'est pas bien grave. Toi, mets-toi... Mets-toi par là, pour l'instant. Voilà. Toi, mets-toi là. Soren, là. Danaf, viens par là. Ar, mets-toi là. Et Ryzen, refais jouer Gatori. Gatori, tu vas aller là. Non, garde ton épieu d'acier pour l'instant. Et on attend et on va voir ce qui se passe. Allez, vous allez attaquer Elincia, j'imagine. Faites attention, elle sait se défendre, la petite. Ah oui, mais elle refuse de se battre pour ce combat, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être en lui parlant avec Ike, on va lui dire, bon, arrête tes conneries, Elincia, tu vas te faire tuer. Allez. C'est ça, plus près. Approche-moi ! C'est marrant, ils attaquent tous Titania. J'aurais pensé qu'ils se focaliseraient sur Nefeni. Mais bon, ok, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, après tout. Ah, ça c'est moche. Aïe. Allez, fournissez de l'XP à ma réserve. J'espère que ça lui abîme pas la hache de héros. Attends Elincia, faut que je vienne te parler. Non, ils ont pas parlé. Piqué fort, je vais pouvoir concurrencer Arisa. Hey, ils se mettent bien en formation pour protéger la reine, hein, c'est bien. Allez, Spook! Paf le Culbert, comme dirait Alain. Coucou Adeline!
Eh ben c'est très bien. C'est bien. Alors, là on peut parler à des gens. Bonjour. Non, on peut parler à personne. Bon, on attendra qu'Elysium se bouge. Alors là, là, moi ce qui m'intéresse c'est l'XP. Faut quand même faire attention à ces gens-là, quand même, mine de rien. Hein. Si je te mets là. Attendez, on va faire une sauvegarde rapide parce que là je suis pas sûr de mon move. Hop, voilà. Néphéni. Vas-y. Ah, malade, c'est pas cool ça, Dean. Un petit rhume, j'imagine. Enfin, j'espère que c'est ça. Ensuite, Titania. En vrai, Titania, ça m'arrangerait si tu pouvais en tuer un là. Mais tu le tues pas. C'est dommage. Ok. Toi, en vrai, tu peux en tuer un, mais après, faut que je te protège. Moi, je dis ça se tente. Ah, tu le tues pas. Bon, c'est pas grave, mais ça se tente quand même. Que je fasse attention à l'archer, mais l'archer je pense que ça devrait aller. Il devrait pas me tuer Soren s'il m'attaque. Ça devrait aller. Ensuite, alors là, toi monte. Problème si je monte, c'est que je vais me prendre tout ça dans les dents. Donc faut faire attention quand même. Mets-toi près des autres. Et toi aussi, on fait attention à... parce que sinon ça va faire mal. Moi je suis en train de me voir, ressemble à une femme de 56 ans qui a fumé toute sa vie. Ma pauvre. Du coup, Titania, là. Voilà. Le Dracocyte, c'est toi. Alors, fais voir un peu. C'est quand même risqué. Vaut mieux y aller avec Gatori. Mais d'abord, faudrait peut-être mieux le soigner, Gatori. Bon, alors attends. Toi. Vas-y. Ok, donc Gatori, on le soigne, je fais juste attention, voilà. Faut juste faire attention où je te mets, toi, parce que Gatori, si je le mets là, que je le tue à lui, ou en tout cas que je le bloque, ah, il va pouvoir avancer. Vas-y. Voilà. Donc là. Bon, ça va pas le tuer. Mais c'est pas grave. Thank you.
Ok. Maintenant. Ok. Faut que je fasse attention. Voilà. C'est quoi ta portée, toi? Ouais, quand même. Hein. Bon, normalement, s'il m'attaque une fois avec son Dracocile, il va pas me tuer de toute façon. Donc, mets-toi là. Toi. Mets-toi là. Attends, vérifie quand même. Voilà, il y a ça. Ouais, là, j'ai pas très bien joué hein, en termes de move. Mets-toi là. C'est pas grave si tu prends quelques coups. Voilà, comme ça. Je peux me permettre de faire ça. Je me rappelle plus, on avait qui en archer dans le 1 vu qu'on avait loupé le recommendation. Ben on avait comment ça s'appelle, Astrid. On jouait avec Astrid en archer. Voilà, alors là on fait attention à toi. C'est ça qui va me déranger. Ok, donc toi tu vas te mettre là. Et toi là, et normalement on est bon. Non, elle est pas nunuche, elle est nunuche dans celui-là. Parfait. Allez. Bon, pas trop sur Boyd quand même, hein, mais mais approchez, oui. Que Rolf, je l'avais pas joué dans le premier. Quel homme ce Gatori, quel tank. Bon après il y a le mage qui va sûrement m'attaquer Gatori, mais bon, pas grave ça. Alors, Ike, vraiment? T'es fou toi? Tu es un malade? C'est un malade, cet homme est un malade. Suicidaire. Allez, venez par là. Imaginez Gatori quand il change de classe, à quel point il est tanky. Hein. Déjà que là, c'est quand même quelque chose. Bon, la magie, toujours pareil. Bon, là, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est là tout de suite, mais bon. Allez, on va dire que ces mages blancs, c'est comme des sénateurs. On va essayer de les tuer. Là, il y a une bonne ligne de front, hein, quand même. Ah, sur Ranulf. Ouais, aussi, pourquoi pas. Là, j'imagine que les deux, là... Ah, ils ont pas bougé. L'archer et le chevalier en armure en bas n'ont pas bougé. Ah, j'aurais parié qu'ils auraient focus Ranulf. Ah, si j'avais su. D'ailleurs, le mage blanc, si tu veux me soigner Boyd, je suis pas contre, hein. Et laissez-moi une place pour parler à Elincia, s'il vous plaît. Non, mais non, je viens de dire laissez-moi une place pour parler à Elincia.
Bon, je crois que je vais pas lui parler à Elintia. Bon, après, l'IA joue bien, hein. Ils entourent la reine pour la protéger, c'est cohérent, mais bon. Alors, à nous. Hop, voilà. 24, 19, ouais. Bah, vas-y, Mia alors. 15 et 15, 30. Parfait, Mia, vas-y. Tiens, coucou, Free. Donc voilà. Précision, c'est pas ça. Hein. Précision, c'est pas ça. Viens là, toi. Alors là, voyons. Ouais. Le 1080p, c'est quand même incroyable, aucune coupure. Ah bah, tu m'étonnes. M'étonne. Ok, ensuite, ensuite. Donc il faut toujours que je m'occupe de lui en vrai. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, toi, tu vas continuer. Ouais, si, vas-y. Voilà. Ensuite, toi, tu vas te mettre là. Voilà, c'est surtout lui qui me dérange, hein, donc c'est lui que je veux éliminer en priorité. Voilà. Comme ça, j'en connais un qui va pouvoir foncer dans le tas. Mets-toi là. Ensuite, donc là, le chemin est bloqué. Du coup, on va pouvoir avancer. Alors, attendez, je réfléchis. Toi, tu peux tuer lui. Toi, tu peux tuer lui. Du coup, toi, tu vas pouvoir avancer et attaquer l'archer, par exemple. Voilà.
fait du coup toi là. Voilà. Donc 15 mai plus tard, je crois que plus tout facilement. Tac. Alors attends, parce que lui il va pouvoir contre-attaquer, lui non. Ok. C'est bon, ça devrait le faire. Alors, ah ouais, il m'attaque à 20 quand même. Hein. Il m'attaque à 20, donc on va le laisser. S'il veut attaquer, il attaquera tout seul. On va attaquer lui. Parfait. Bien joué, Soren. Ok. Toi, avance, mets-toi là. Et ça devrait être bon. Qu'ils ont avec Gatori, avec sa charme. Allez, coucher. On a dit coucher. Ah, il est bientôt niveau max, on va pouvoir le faire reculer après. C'est marrant que le match s'attaque pas à Raizon. Ouais, t'aurais pu me soigner Mia aussi. Ok. Bon, bah, quitte à pouvoir parler à personne. On va se mettre là pour l'instant, on va rester là. On va se soigner un coup. Faites voir un peu là, qu'est-ce qu'on a. Tiens, eux là, s'ils pouvaient s'approcher en vrai, ce serait pas mal.
Voilà. Alors là, l'XP, toujours pareil. Allez, moi si tu pouvais monter niveau 30, ça serait bien en vrai. Voilà, on en est loin du niveau 30, hein. Ensuite, Nefeni, de l'XP pour toi, cadeau. C'est l'occasion de jeter cette épée qui prend de la place aussi. Sérieusement, bien joué mon gars, bien joué. Alors Titania, là. Oh, tu le tues pas, sérieux? Oh. Idée. Dans ce cas, hop, là. Allez, zou. Bah, faut dire que je l'ai laissé un peu de côté, Titania, en fait. Hein. Et elle fait toujours le café, en vrai. Hein. Le mage là, tu vas arrêter de m'attaquer maintenant. Tu vas subir le châtiment. C'est ça qu'il faudrait que je mette dans la soundbox, tiens. La fin des temps est venue. Le châtiment. Ok, après. Là. Ah oui, toi par contre, en termes d'attaque, t'as plus grand chose. Toi aussi, bientôt, tu feras plus le café, tu feras plus rien en fait. Hein. Oh là là, la pauvreté chez les mercenaires de Grail. Elincia, vu qu'on t'aide, tu veux pas me donner un peu d'argent, non? Pour que je rachète de l'équipement. Oh bordel. Voilà. Du coup. Voilà, hop. Allez, un mage blanc de moins. On va dire que c'est un sénateur. Un sénateur de moins. Thank you.
pas. Toujours plus de PV, ma foi. Pourquoi pas, hein. Donc là, le mage blanc, j'imagine qu'il va aller m'attaquer Gatori. En toute logique, c'est ce qu'il devrait faire. Ah non, bon d'accord, ok. On tue des sénateurs, ouais, on va dire que c'est des sénateurs. Elysia, doucement, doucement. C'est bien de s'approcher, mais doucement. Mais là, c'est bien. Mia, elle a la place. Donc, du coup, je pourrais lui parler avec Ike tout à l'heure. Si tant est qu'il y ait un dialogue. Mais j'imagine que oui, quand même. Par contre, je suis étonné. J'étais à portée des chevaliers Wyvern. Ils sont pas venus. Le mage blanc qui passe à côté du cavalier qui est abîmé. Et même pas, il soigne, quoi. Ils en ont rien à faire, hein. Ok, alors, pour commencer, c'était mine de rien, il commence à en avoir besoin. Voilà. Allez. Mort au sénateur. Même si ça n'en est pas, on va dire que ça en est. En plus, ils font bugger le son à chaque fois qu'ils attaquent. C'est forcément des sénateurs. Ok, Oscar, à toi. Je pense qu'on va avoir quelques changements de classe avant la prochaine mission. En tout cas, j'espère avoir assez d'XP. Mais disons que un ou deux, je pense qu'on va les avoir. Voilà. Mets-toi là. Toi, viens là. Attends. Faire l'étal. Hey, lui, il faut faire attention. Lui, il faut faire attention. Est-ce que tu serais capable de le tuer? Non. Tu n'es pas capable de le tuer. Bon, il faudra faire attention. Hein. Voulez-vous que je dise? Toi, peut-être. On est capable de le tuer avec son faire l'étal. Même si, à mon avis, il va plutôt attaquer les troupes de la reine Elincia, hein, mais voilà, tu es capable de le tuer, alors vas-y. On va éviter les coups critiques intempestifs. Ah non, mais sérieux? Il a vraiment esquivé alors qu'il avait 91 de précision. Oh, tu mériterais presque la survie, toi. Hein. Vraiment, tu mériterais presque la survie. Mais tout est dans le presque. Tout est dans le presque. Putain, j'en reviens pas qu'il ait survécu, quoi. Allez, jette-moi ce Merlin. Voilà. Ok. Ensuite, toi, là. Vous allez bientôt vous retransformer, j'imagine. Là, il y a... Ah si, il y a un archer, là. Alors, attendez. Hop, voilà. Là. Et alors, là. Voyons. Là. Est-ce que c'est prudent, en vrai, de faire ça? Ouais, 12 de précision. Allez, go.
Alors, j'aurais préféré en toute franchise que tu me fasses des coups critiques, mais bon, admettons. Admettons. Ike, est-ce que tu vas parler à Alicia ou pas? Ah, quand même! Ah bah de rien. Voilà. Ensuite. Toi. Allez. Hein? Pourquoi il a fait une attaque comme ça? Ah c'est bizarre. Pourquoi il a pas fait une attaque avec la cinématique? Il est fou lui. Il est suicidaire Starcher. Pourquoi quand c'est moi qui la joue, l'armée de Crimea, ils ont pas autant d'esquive? Et pourquoi il a pas... Il a attaqué, enfin! Il y a un ennemi! Et l'autre, il se met à quoi? Il se met devant l'ennemi, il attaque pas! Mais qu'est-ce que vous foutez? Aïe, 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 bordel de nuke! Où c'est où je dois parler à la reine, c'est ça. C'est exactement ça. Mais non, mais pas... Ah oui, c'est vrai, je l'avais détruite avec la corrosion. T'as raison, Alain, t'as raison. Bon, bah, moi, alors. Hein. Bah, comme je sais pas trop si eux, ils avancent ou s'ils avancent pas... Écoutez. On va se regrouper, on va faire une ligne de défense et on va voir. Hein. Non, on va sauver, objet. Voilà. Toi, ce qui m'embête en fait, c'est que bientôt t'as plus d'armes. En vrai, c'est ça qui me gêne. Mets-toi quand même là. Et puis voilà. Allez, tiens, pour le plaisir. De niveau, c'est bien. Quoi? Là. Voilà. C'est fini. Là. Du coup, Mia. Je vais pas la mettre en première ligne quand même, Mia. Lui, j'aurais bien aimé le mettre là, mais du coup, ça va laisser un trou. Mais remarquez, je peux mettre Ike. Donc, allez, go. Voilà. Bon, lui, il peut plus bouger. Donc, de toute façon, bah, débrouillez-vous, hein. Ok, toi, là. Là. Le matoumiteux, là. Toi. Non, il y a des archers, donc lui, c'est un archer aussi. Non, même pas. Mets-toi là. Là. J'ai pas regardé la portée des wyvernes. Pas du tout. Mais vu qu'elle bouge pas, les wyvernes, de toute façon. Voilà. Ça te va? Elle bouge pas, les wyvernes. Donc, toi, qui tu vas soigner? Bah, tiens, tu vas soigner. La plus free. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait la ligne de défense.
Ah, il y en a enfin un qui s'est décidé à attaquer Nefeni. Depuis tout à l'heure, d'habitude c'est elle qui se fait focus, là... Il y en a enfin un qui s'est décidé. Et c'est loupé. C'est quand même contradictoire ça, les carreaux d'arbalète ça a des pouvoirs de perforation, ça devrait faire plus de dégâts que les arcs, mais non. Allez savoir pourquoi. Oscar, n'empêche, quel homme. Dans le 1 il esquivait rien, là il esquive toutes les attaques quoi. Allez Titania, tiens bon, tiens le coup. Voilà, tiens le coup, c'est bien. Allez, tiens le coup, Titania. Bien, c'est bien, très bien. Merci l'effroi de Nefeni. Hein. Ouais, j'ai pas compris. Pourquoi tu l'as pas attaqué avant, lui? Ah ben voilà. À vouloir faire le kéké, voilà ce qui arrive. Ok, bon, toi. Non, pas là. Là. Attends. Mine de rien, faut quand même. Ouais, non, si ça va aller tout seul, faire ça. Ok. Tu le fais ou tu le fais pas? Tu le fais pas. Dommage. Regarde. On va montrer aux soldats de Crimea comment on attaque quand on est un archer. Vas-y. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Oui, non mais je sais Alain, mais... Je veux dire, si tu veux importer un peu de réalisme, un arc n'est pas moins, n'est pas plus puissant qu'une arbalète. C'est tout. Mais alors que là, dans le jeu, effectivement, c'est moins puissant parce que ça tient pas compte de l'arbalète ne tient pas compte de la force du perso. C'est pour ça que je dis que c'est moins puissant. Alors là, 36, ouais, 19, 19, parfait. Ok, donc là j'ai un arbalétrier et c'est à peu près tout. Eux ils ont pas l'air de vouloir bouger de toute façon. Où il est? Il est là. Oh sérieusement? On tente la hache létale? Ou alors là? Et tu le tues pas non plus, la hache létale. Allez, on tente la hache létale. Voilà, parfait. On va miser sur le critique, hein. Écoutez. Voilà. Merci, madame. Ensuite, les deux là.
Ok, toi. Ouais, c'est un peu risqué quand même, alors attends. On va faire quoi? Tu le tues, j'imagine, si tu vas. Ah, tu le tues pas, alors vas-y. Voilà, ensuite tu recules. C'est fini. Tu y vas. Ensuite, Gatori. Là, bloque le passage. Toi, tu vas te retransformer, donc mets-toi là. Bah, eux, normalement, ils devraient pas bouger. Hein, mais maintenant, j'ai un doute. Alors, tu sais quoi, on va la mettre là, Titania. Voilà. Aïe, qu'on va le mettre là. Et toi, bah toi là. Alors, il commence à bouger. Bien. Normalement, il devrait pas faire grand chose vu que Néphénie est devant avec l'effroi. T'as pas un arc létal, je risque pas grand chose. Alain qui a eu l'espoir, mais non. Tu as oublié un truc, c'est qu'ils attaquent les unités qu'ils considèrent comme étant les plus faibles. Et ils considèrent que Janaf est beaucoup plus puissant que Oscar, tout simplement en termes de résistance. C'est pour ça qu'ils l'ont pas attaqué. Alors c'est débile, hein, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça qu'ils l'ont pas attaqué. Et l'autre qui attaque pas, mais oh. Il se pointe devant le mage et non, j'attaque pas. Alors, à nous, donc décimer l'ennemi, on va le faire, en commençant déjà par lui. Bientôt sa lame de fer elle est usée à Aïk, lui aussi bientôt il ne faut plus attaquer. Néphénie va le finir. Non attends. Lui plutôt. On sait pourquoi Crimea a perdu la guerre. Ah c'est clair que s'ils n'ont pas attaqué. Donc je l'ai fait attaquer lui pour que les autres soient à la portée de l'effroi de Néphénie. Ok, ensuite, toi, là. Voilà.
bah il a fui évidemment, tu t'attendais pas à ce qu'il reste là le sénateur. Quand même. Voilà, alors après. Ouais. Mia. Là. Ensuite, Soren, je vais voir un peu le boss là. Combien il te fait de dégâts? 25. Bon, 25, ça va, tu peux l'encaisser. 25, tu peux l'encaisser et lui faire 18. Ma foi, pourquoi pas. Ouais, si, allez, 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 vas-y. Ok, alors, j'ai pas envie que ce soit Gatori qui le tue, j'aimerais bien que ce soit Boyd. Du coup, ce qu'on va faire... Vas-y. Voilà, après tu recules. Toi, tu soignes. Alors la question est, est-ce que toi tu as assez de puissance pour le tuer? C'est ça la vraie question. Toi, là. Un peu plus de défense, pourquoi pas. Alors, lui ou lui? Lui ou lui? Lui. Derrière ma couscous boulette. Alors, est-ce que tu le tues? 15, 20. Ouais, tu ne tues pas. Alors, dans ce cas, si tu ne tues pas, on va essayer autre chose. Voilà, 18. Ensuite, tu recules. Tu y vas. Vas-y à la hache d'acier pour être sûr de toucher. Et prends l'XP. Ouais. Pas terrible le level up. Hein, putain, et dire que j'ai fait tout ça pour toi? Un arc d'argent, bah écoute, toi tu vas le prendre l'arc d'argent. Du coup, qui c'est qui va te tuer toi? Bah Mia, en fait, ce serait bien. Allez, finis ta lame d'acier. Voilà. Garantie zéro fail.
On était venu pour ça à la base. Elle est contente. Donc quoi, il est capable de perdre son sang-froid, Zeldus. L'apôtre Salaki arrive à l'improviste dans le camp que l'armée principale a établi à Crimea. D'un ton assuré, elle raconte comment les sénateurs ont comploté contre elle pour usurper son autorité. Valtom nie en déclamant un mensonge inventé par le Sénat. L'apôtre serait une traîtresse qui, avec le soutien de son premier ministre Séphiran, tenterait de tromper Bénion et de l'éloigner des bonnes grâces de la déesse. Pour les citoyens de Bénion, les sénateurs sont les élus de la déesse et méritent de ce fait autant de respect que l'apôtre. La réputation de l'apôtre est ternie depuis que le Sénat a fait emprisonner le premier ministre Séphiran sur ses ordres. Une partie croissante de la population de Bénion se fie aux sénateurs quand ils accusent l'apôtre d'être malhonnête et malfaisante. L'armée principale est divisée. Un camp a foi en l'apôtre, tandis que l'autre soutient le Sénat. Ce nouveau scandale avive les flammes du chaos, et le feu se propage dans tout Elius.
Et comme ça, tout le monde va se joindre dans la bataille et ça va être le chaos total. Je suis d'accord avec Tibarn. Non, par contre, on veut bien être payé d'abord. J'aimerais bien, s'il vous plaît. Enfin, là, c'est quand même Tandax hein, comme truc. Parce que là, il y a 2 jours, les 2 armées étaient ennemies, se haïssaient, ils voulaient s'entretuer. Et là, maintenant, on va leur dire, allez, on fusionne et on va se battre ensemble. C'est quand même optimiste, hein, comme truc. Mais il faudrait que tu ressortes une certaine épée, Ike. Ce serait bien pour en tant que général, tout ça, non? Non, mais donnez-moi des sous, j'ai plus d'argent. Je veux de l'argent. De l'argent? Non, 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 bon. Bon, merci. Ben voilà, merci, merci. Oui, de l'argent, on va pouvoir acheter de l'équipement. Ça y est, enfin. Oh bon Dieu. Bon allez, paf le pognon là. Donc du coup là l'armée maintenant il y a du monde hein. Oh, oh, oh. On peut le mettre avec qui?
Malakoff ou Astrid. Bah non, hein, Malakoff, il faudra la... Astrid, faut la mettre avec Malakoff. J'ai obligé. Ah, je peux pas. Sérieux? Bon, bah, je préfère... Ouais, bon, on va vous mettre ensemble, tous les deux. Allez. Défense, précision, esquive, c'est pas mal. Titania, tiens, t'es avec personne, toi. Mais en même temps... Harry, il est avec quelqu'un. Non, bah, voilà, Titania, il y a. Allez. Précision, défense, esquive, c'est bien. Et puis voilà. Hein, Alors... gestion, d'abord. Très important, j'ai combien d'XP? Non, pas ça. 27 000! Ouh, attendez, il y a moyen de faire un truc là. Allez, déjà, hop, hop, bim. Là, on va se faire plaisir. Oscar a évolué en Lady Oscar. Chevalier d'argent, très bien. Parfait. Allez, suivant. Oh là, oh là, il y a des... Ça lagouille un petit peu, hein. Ouais, c'est bien. A plus, Fallen. Très bien. Et... Pam-pada-padam. Il est classe comme ça. Hein. Mettre à la hache. Très bien. Parfait. Ensuite, Rolf, pour l'instant, non. Toi, ça fait beaucoup quand même, non? Ouais, ça fait beaucoup d'XP quand même. Allez, toi, juste pour voir. C'était pas loin. Parce que ceux que je peux monter, je le fais. La promotion, je la ferai pour ceux qui sont un peu loin au niveau des levels. Tu vois, du genre lui ou... où il est? Non. Enfin, voilà, ceux qui sont un peu loin. Je préfère les monter jusqu'à niveau 20 et faire promotion. Ceux qui sont proches de changer où il n'y a pas besoin de beaucoup d'XP, je leur donne l'XP. Hop. Parfait. Toujours plus de puissance. Ensuite, ensuite les autres, on s'en fout. Il y a elle, en vrai. Mais bon, j'ai déjà un archer, alors... voilà, là, j'ai trop de soldats. Là, j'ai clairement trop de soldats. De toute façon, je vais jouer avec les mercenaires de Grey, là, clairement. Mais... là, on va récupérer d'autres chevaliers Pégase. Donc, Marcia, pour l'instant, on laisse.
Toi, je vais pas te jouer, j'ai déjà quelqu'un. Elle, j'aimerais bien l'entraîner aussi. Bon, alors, réfléchissons. Y a toi aussi qui pourrait mériter une promotion. Marcia plutôt que le Piaf. Hein? Ah oui, éventuellement, ouais, je pourrais prendre Marcia plutôt que le Piaf. C'est vrai, t'as raison. Mais ça veut dire qu'il faudrait que je lui donne XP à elle. On va après monter à 17. Ouais. Bon, on va voir. Attends, on va voir. D'abord, toi déjà, donc là. Va voir. Je pourrais te monter niveau 18. Toi, niveau 18. Toi, niveau 18 aussi. Promotion, je pense que je vais l'utiliser sur Mia, sur Soren. Parce que j'en ai deux, hein, il me semble. Attendez, j'en ai combien de promotions? Objet, hop, réserve, donné. Voilà, j'en ai deux, c'est bien ce qu'il me semblait. Tiens, quitte à être là, où est-ce qu'il est? Non, c'est pas toi. D'ailleurs, ça, pose-le. Qui c'est qui avait eu l'arc d'argent? C'est toi. Échanger avec Rolf. Voilà. Donc promotion, j'en ai deux. Pas que Tanif, il y a Tanif et Sigurine qui me rejoignent. Il y a les deux normalement qui me rejoignent au début de la prochaine édition. C'est pour ça que je sais pas encore pour les chevaliers Pégase. Mais là, monter au moins eux jusqu'au niveau 18. Et après, je pense que je vais utiliser une promotion sur Mia et Soren. Ou alors. Je réfléchis à un truc. Donc j'utilise une promotion sur les deux. Ou alors j'utilise une promotion sur Rhys. Ça pourrait être sympa aussi. Bon, qu'est-ce que je fais de l'XP qui me reste? Est-ce que je la monte niveau 13? Je sais pas. Astrid, ça m'embête de pas la jouer aussi. Mais bon, je sais pas. Je sais pas encore quel chevalier Pégase je vais prendre. Et il y a Gatori aussi, tout à fait. Mais Gatori, il est que niveau 13. Donc Gatori, je vais le laisser monter tranquille pour l'instant. Là, pour l'instant, je monte ceux que je mets souvent en... Que je joue souvent. Et que je mets en première ligne, notamment. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Promotion, j'en ai deux, donc... Et toi, je te monte niveau 15, ouais. Ouais. Mia, je pense qu'en fait, je vais la mettre niveau 20 et elle montera toute seule de niveau. Et Soren et Rolf, je leur fais une promotion. Ou alors Soren et Rhys. Ça pourrait être intéressant de faire ça parce que Rolf, il va pouvoir monter lui aussi. Donc, eux, je leur mets la promotion. Mia, je la mets niveau 20 et je la fais combattre pour qu'elle gagne de l'XP. Ouais, non, ouais. Ah, j'hésite. Lui, il prend la promotion, c'est sûr. Elle, je la mets niveau 20 et elle montera toute seule. Lui, il peut monter tout seul en vrai. Lui, je l'entraîne et je lui mets la promotion. Comme ça, il pourra éventuellement changer de classe et se soigner en même temps qu'il attaque. Ça peut être intéressant aussi. On pourrait faire ça. Bon, allez, on va faire ça. Niveau 20. Voilà. Quoi, du coup? Ouais, tu prends qu'un niveau, en fait. Hein. Bon, tu prends qu'un niveau, mais c'est pas grave. Allez, on va faire ça. C'est peut-être pas le plus opti, mais c'est pas grave. On va faire ça. Donc, et Gatori. Ouais, voilà.
Voilà. Ok, donc, objet, on a dit Soren, réserve, prendre. Ah, j'ai ça aussi, augmente la vitesse. Ah, je pense à l'utiliser. Tac. Allez, t'es promis, monsieur. Les promotions, c'est mieux de les utiliser sur ceux qui sont le plus long à monter parce que justement, ils peuvent pas être au contact. Oh la classe, cette classe. Tellement classe, Soren. Ok, ensuite, toi. Voilà. J'aurais peut-être dû jouer Myst, hein, mais bon, maintenant c'est trop tard, hein, vu que c'est lui que j'ai privilégié, même si c'était pas vraiment volontaire. Voilà, on est pas mal. Ok, la vitesse, je pourrais la donner à qui ? Je sais jamais à quoi ça sert la vitesse. Elle détermine le nombre de frappes successives et les chances qu'a l'unité d'éviter les attaques. Ah oui, c'est pas mal ça. Alors c'est qui en a le moins de vitesse ? Toi peut-être. 25. 29. 3. 26. Bah, je pourrais t'en prendre un à toi. Hop. Voilà. Donc 27. Et Oscar, en vrai. Enfin, remarque, il a changé de classe, Oscar. Hein, c'était pas nécessaire. Toi, c'est au max. Chance qu'à l'unité d'éviter les attaques. 27. Bon, toi, c'est pas la peine en vrai. Allez, on peut te la donner à toi. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va falloir passer aux achats. Donc, épée d'argent. Alors, une pour Ike. Ensuite, hache d'argent pour toi. Avec une hachette pour toi. Pour toi. Pour toi. Ensuite, lance d'argent pour toi. Lance d'argent. Épée d'argent pour Mia, où elle est là. Hache d'argent pour Boyd, éventuellement. Qui c'est qui a besoin de trucs aussi? Il y a lui, peut-être. Toi, il faut que je te prenne des trucs en priorité. Attends. Toi. On va se racheter un éclat. Donc, non, pour l'instant, ça va en vrai. C'est plutôt des bâtons qu'il faudrait que je t'achète. Magasin. Ouais, ça peut être intéressant aussi. Ça fait quoi? Restaure la totalité des PV de l'unité ciblée et soigne le porteur à chaque tour. Ouais. Non, on va prendre cure.
Du coup, les épées d'argent, les lances d'argent, c'est bon. L'arc d'argent, c'est bon. Bon, on va te racheter un Inferno, Soren. Et puis, je crois qu'on est pas mal. Toi, t'es bon. Toi, t'as la lance d'argent, les javelots, c'est bon. Toi, t'as ce qu'il faut. Toi, c'est bon. Toi, c'est bon. Toi, c'est bon. Toi, du coup, je t'ai rééquipé, on est bon. Titania, éventuellement une hache d'argent. Toi, c'est bon. Non, bon, en fait, c'est bon. Titania. Voilà. Et pour le reste, je vais garder l'argent qui me reste. Au niveau des potions, je pense qu'on est bon. Donc, je vais garder l'argent qui me reste. Sauvegarder. Hop. Voilà. Allez, juste cause. On va faire une sauvegarde rapide et on enchaîne. Hop. On y va. Voilà, parfait, c'est bien ça. Non, reprends Ragnel, c'est bien. Et ton épée d'argent, tout ça, on le donnera à quelqu'un d'autre. Reprends Ragnel. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont lourds, eux, vraiment. On passe par Dane, on les défonce. Alors, donc on a Ségrune et Stannis. Alors je sais plus, elle est orientée force, alors qu'elle est plus orientée magie, hein, me semble-t-il. Hein. Enfin magie, c'est un peu relatif, mais dans l'idée c'est ça. Hein. Alors en vrai Ségrune, elle est sympa, moi j'aime bien Ségrune. On pourrait la prendre elle à la place de Marcia. Donc Soren, Rolfboy, Oscar, Rhys, Mia, Ar, Zanav, tu dégages, Néphélie, tu viens. Et voilà, ça suffira pour le petit comité. Fichier, sauvegarde rapide. Même si en vrai, j'aurais pu prendre Gatori, mais Gatori, il faut qu'il avance alors. Mais j'aurais pu prendre Gatori pour l'entraîner éventuellement, mais non, là ça me paraît bien. Au final, il y a Mia et lui qui doivent changer de classe. Elles sont quoi? Chevalier Faucon, donc elles vont bientôt changer de classe aussi. En vrai, est-ce que prendre Gatori serait pas forcé, serait peut-être une bonne chose quand même? Juste pour l'entraîner. Mais dans ce cas-là, j'enlève qui? J'enlève Mia peut-être? Ah bah non, Mia, il faut qu'elle change de classe. J'enlève. Ségrune tape pas si fort et a un problème de vitesse. J'ai pas regardé, c'est voir. Ouais, bon, à vitesse, c'est la 24, effectivement, c'est pas foufou. Bon, on verra, écoute, on verra. Elle, pour le coup, moi, je l'aime pas, jamais aimé Tanis. Bon, on verra. De toute façon, on devrait. Ouais, est-ce que j'enlèverais pas Néphénie alors? Et je mets Gatori à la place et on avance comme ça.
Allez, on va essayer de ça, mais c'est vraiment pour le faire, pour lui faire prendre de l'XP, hein. Allez. Aïe, 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 aïe. Attention les trous, ouais, ouais, j'imagine. J'imagine, j'imagine. Alors, Gatori, mets-toi là. Ike. Ah, allez, Ike, mais c'est vraiment pour le plaisir. Mets-toi là ou tombe dans un trou. Non. Allez. Et bim, voilà, maintenant on va faire mal. Et là, Mia, tu te mets là. Et tu t'équipes de la lame d'acier. L'épée d'argent, on la garde de côté pour le moment. Après, de toute façon... Ah, toi, tu as une hachette. Vous pouvez pas attaquer à distance. Faudra faire. J'ai vu des catapultes par là. Faudra faire attention à un moment donné aussi. Alors, tu as une hachette, mais tu sais quoi? Je pense pas qu'il va te tuer. Alors, mets-toi là. Toi, mets-toi là. Non, pas sauvé. Prends les pieux. Toi, mets-toi. Là. Et au cas où, prends l'épée de foudre, oui. Et les autres, vous avancez. J'ai pas pris Ryzen, tiens. Mais je crois pas qu'il était là, Ryzen. Toi, mets-toi là. Toi, faut que t'avances. Faut que tu prennes de l'XP aussi, donc mets-toi là. Avec l'arc de Shimon. Voilà. Void, avance. Toi, mets-toi là. Toi, mets-toi là. Ouais, attaquer Mia, ça m'arrange. C'est très bien ça. Attaquer Mia, attaquer Mia. Donc ils attaquent vraiment ceux qui n'ont pas changé de classe. Hein. Ah oui d'ailleurs que j'ai plus l'effroi vu qu'il n'y a pas d'effet ni, faudra faire attention à ça quand même. Allez Mia, faut que t'encaisses. Il faut que t'encaisses la charge de cavalerie. Allez Mia. Tu peux le faire. Allez Mia, encaisse. Encore deux cavaliers. Aïe. Allez, on y croit, on y croit. Encaisse le dernier. Allez. Allez, tu peux le faire. Allez. Ah bah non, tu peux pas le faire, dommage. J'ai eu tort d'avoir foi en toi. Allez, hop. Du coup, unité, on a dit, j'enlève Néphéni, je prends Gatori. Bah oui. Oui, oui, ça on sait. Alors, tant pis. Allez, mets-toi là. Objet, Ragnel. Gatori, mets-toi là. Et limite, si c'est pour te faire attaquer à distance, prends le javelot. Voilà. Toi, mets-toi là. Toi, mets-toi là. Avec les pieux. Toi, mets-toi là, on a dit. Qui on va mettre? Oscar, on va te mettre là. En espérant que tu tues pas tout le monde. Avec la lance d'acier, ouais, on va te mettre comme ça. Mia. Voilà. Toi, mets-toi là. Non, pas là. Là. Toi, là. Toi, là. Toi, là. Et toi, là.
Ça change quand même, hein. Quand il n'y a pas les froids, ils font des dégâts. Hein. Enfin, ils font des dégâts, ils ont de la précision, les couillons. Vous allez voir qu'il va se faire tuer lui aussi. D'habitude, il esquive les attaques, là, il va plus rien esquiver. Ouais, je suis pas sûr qu'il en encaisse 3, hein, Oscar. Hein. Je t'ai surestimé, mon ami. Ah, mais non, peut-être pas. Il a pas aimé que je le dévalorise. Bon, j'imagine qu'on va se faire prendre en tenaille par des chevaliers Wyvern à un moment donné, mais bon. C'est un chevalier d'argent, ils ont toujours été nuls. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Combattre par les chevaliers de bronze. C'est parce qu'ils n'étaient pas à cheval. Alors, Mia, allez, prends de l'XP. Également. Létal. Faut faire gaffe. Là, il y a un trou, j'imagine. Clairement. Alors, Ike. Allez, tiens, pour s'amuser un peu. Viens là. On va s'amuser un peu. Voilà. Parfait. Toi, prends de l'XP. Ensuite, on avance. Voilà. Toi. D'abord, tu vas là. Il est très classe, Oscar, en cette armure. Et tu reviens là. Est-ce
que c'est prudent de faire ça? Peut-être pas. Sûrement pas d'ailleurs. Donc si je peux pas reculer, c'est absolument pas prudent de faire ça. Par contre, attends, je me mets là. Combien tu lui fais de dégâts avec les pieux? Pas grand chose. Bah, oui, pas grand chose. La question est, si je me mets là, normalement je devrais avoir assez pour reculer. Hein. Mais on va faire une petite sauvegarde rapide avant, juste pour être sûr. Hop. Voilà. D'argent, hop. Oh, tiens, salut. Oui, madame. Il n'y aurait que l'entêtement était héréditaire. Hein. Ok. Du coup, bah... Du coup, hop. Voilà, ensuite tu recules. Là. Plus 15. Oh, c'est nul ça. Bon, on va voir. Ah, toi tu peux venir. Il y a quoi là? Des pieds d'acier, petite queue. Ouais, viens là. Allez. Zou. À la chaîne ou à l'âge courte, à l'âge courte. Voilà. Et l'XP pour Sigrune. Ah, pour toi, madame. Et puis, reste là, écoute. Qui c'est qui a pas joué? Ah oui, toi. C'est vrai, t'es encore là, toi. Allez, boum. Alors, moins ce boom, mais bon. Ah, oh, mais bien joué, bravo! C'est ça l'armée de Phénicie? Allez, viens des. Approchez, mes petits, approchez. C'est ça, plus près. Approchez. Allez, à moi de jouer. Alors, ça. Ok.
Bon, on va par là. Ensuite, Mia, lui, tu peux t'en occuper. Ah oui. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre la technique absorption à quelqu'un. Ça m'est complètement sorti de l'esprit, ça. Bon, c'est pas grave. Hop. Hop. Salut, internaute. Ensuite. Oups. Toi. Là. Oh, le coup critique à 2% avec une hachette, bien joué! Oh, le GG! Ensuite, toi, viens là. On s'en fout. Toi, en vrai, viens là. Oh, sérieux? Toujours mieux que rien. Ce serait une touche le fond, je crois qu'il est complètement au fond du trou. toi là. Sérieux? Là. 5 et 5, 10. Ouais, pas terrible, hein. Bon. Là. Je sais plus ce que c'est ces trucs jaunes, c'est des espèces de mines, je crois, non? J'ai un doute. Voilà. Voilà. Non, attends. Voilà. Allez, go. Des barrières intraversables. Ok. J'avais un doute. Voilà, reste là. Là, j'aimerais bien aller l'attaquer lui, mais après, si je recule, je vais être à portée de cela, de la catapulte et des mages de vent, donc c'est pas une bonne idée. Du coup, ma grande, mets-toi là. Et toi, mets-toi là. Voilà, c'est bien Tibarn, c'est bien. Très bien Tibarn. Allez, vous venez mourir. Faites-moi une réserve d'XP.
De quelle arbalète tu parles? Il y a pas d'arbalète, c'est que des catapultes, Alain. C'est que des catapultes. Hein. Pourquoi tu parles d'arbalète? Je me mets le doute, mais non, il y a pas d'arbalète, c'est que des catapultes. Alors, toi, là. Ah, dommage. Bon, on la achète, c'est pas grave. Enfin, 18 quand même. Hein. 18 là, 18 là. Ouais, non, ça va le faire. Ça va le faire. Allez, go. Le boss. Ah non, d'accord, je croyais que tu parlais des arbalètes, ça. Oui, non, mais ça, non, à l'aise, Blaise, tranquille. Tranquille, 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 tourne-do, tranquille. Ah oui, il y a toujours le cadavre de Pétrine au bout du pont. ce serait rigolo, honnêtement. Ce serait rigolo. Mais bon. Ok, alors, qui avance là? Toi, avance par là. Hook, toi, avance là. À la hachette, tu vas tuer lui, ouais. Oh, sérieux? Oh, tu mérites de survivre, hein, mon gars. Honnêtement, tu mérites de survivre. Franchement. Là, tu mérites de survivre, t'as bien joué. Toi, tu vas te mettre là. Attends, ouais, là. Toi, tu vas te mettre là. Non, là. Même pas. Là. Ah, ça suffit pas, dommage. Et c'est pareil, les pieux là en avant, ça lui fait la même quantité de dégâts, sérieux? Oh, c'est nul. Bon bah là, alors. Hop. Oscar, il y a un trou là, j'imagine. Attends, on va faire c'est hop. Alors, je sais pas s'il y a un trou, on va aller vérifier. Il y a pas de trou. Ah si, hein. Voilà, ok, très bien. Bon, là, je pourrais tuer lui éventuellement. Mets-toi là. On va faire c'est quoi là? Combien de dégâts tu lui fais? Oui, c'est 12. Vas-y. Après, tu recules là. Soren, là. Non, là. Là, voilà, donc Soren, je pourrais le mettre là et attaquer lui, ou tuer lui, remarquez, on peut faire ça aussi, on va faire ça d'ailleurs, allez, lui on le laisse, lui. De la bouffe, ça donne faim. Tu m'étonnes. Voilà. Toi, là.
toi, bah toi là. Et toi, là. Alors, t'aurais pu t'occuper de la catapulte, j'aurais préféré, Tibar, mais bon. Prends de l'XP, c'est bien Mia, prends de l'XP. Faut que tu survives, on a dit que ça le faisait, alors faut que tu survives. Quel homme, quel homme, quel homme. Sur les archers, Tibar. Ah là là, tout cet XP gratuit emmagasiné. Merci Tibarn. Et il s'énerve là. Ouais, il s'énerve le monsieur. À nous. Oh, sérieux. Bon. Ok. Viens te mettre là. Toi, viens te mettre là. Non, mauvaise idée. Pourquoi tiens déjà, hop. Tu sers plus à rien à cause de la corrosion. Voilà. Tu as des potions sur toi? Non, tu n'as pas de potions. Alors dans ce cas, tu vas rester là. Pour l'instant. Ils ont pas l'air de vouloir se déplacer, hein, puisqu'il y en a qui étaient à portée. Dans le doute, on va quand même faire attention. Voilà. Aïe. Voilà. Matoumite, viens par là. C'est tentant, mais non. C'est tentant, mais non. Viens là. Attends. Ah, saleté, elle est à portée.
Oh fuck. Si elle est à portée. Alors on va. Hop. Non, on va faire mieux. On va mettre toi là. Toi là. Toi là. Toi là. Il y a sûrement un trou devant le mage. Genre là. Écoute, dans le doute, on va quand même rester prudent. Toi, mets-toi là. Et toi, où il est ? Toi, viens la soigner, on sait jamais. On sait jamais, on sait jamais. Et qui c'est qui a pas joué ? Ah oui, toi. Voilà. J'aurais quand même préféré que tu t'occupes de la catapulte, hein. Mais pourquoi vous vous occupez pas des catapultes, bordel ? Je sais que vous craignez pas ça, mais... Bon, après, eux, s'ils meurent, je m'en fiche, hein, vous direz. C'est pas très grave. Ok. Allez, tue-le. Parfait. Bon, là, les archers vont se régaler avec les deux... Ah. Avec le piaf. Voilà, merci, au revoir. À moi. Alors, on va faire une sauvegarde rapide à chaque étape pour éviter de recommencer à chaque fois depuis le début. Ok, donc, toi, si tu te mets là, de toute façon tu vas pas le tuer, on est bien d'accord, hein. 15 et 15, 30. Alors, toi, là. Ouais, mais là tu le tues, j'aimerais bien que tu le tues pas. Bah, tempête, ça me paraît bien pour pas le tuer. Allez, go. Oh non, mais non, mais non! Je voulais pas que tu le tues! Oh. Bon, c'est pas grave. Maintenant c'est fait de toute façon. Ouais, c'est peut-être pas prudent. Quoique. Allez, là. Boum! Et comment je passe moi là si je peux plus passer si tout le monde si tout est bouché? Ah mais voilà qui est gênant là, comment je passe moi? Comment on les enlève ces machins là? Bon bah écoutez, au pire hein, bah vous resterez là hein. Un volant qui te porte, oui mais j'ai pas envie de faire ça. Bon, il n'y a que lui à la limite que je peux transporter, les autres c'est pas très grave. Les autres ils peuvent rester derrière, c'est pas important. Allez, hop. Et là. Toi, avance. Mets-toi là. Voilà. Toi, mets-toi là. Et soigne-toi. Là. Toi, bah toi, mets-toi là et reste là. Ensuite, toi, là.
c'est qui a pas joué? Il y a toi qui a pas joué. Mais j'ai pas envie de t'avancer, il y a trop d'archers, donc mets-toi là. Ensuite, toi, mets-toi là. Toi, viens le déposer là. Voilà. Et à la limite, allez, on va aller rechercher Ike. Mais Ranulf, je m'en fiche. Toi, avance aussi. Voilà. Adieu la catapulte. Parfait. Et voilà. Toi, je suis désolé de te le dire, mais tu risques de mourir avec les deux archers qui sont à portée. Ah bah alors là, c'est clair, tu vas mourir. Allez, pif! Alors, voilà. Donc, je devrais pas aller à portée, donc ça devrait aller. Toi, là. Ouais. Toi, avance. Toi, avance. Toi. Viens t'occuper de Gérard. On fait attention à ça quand même. Savoir qui on met à portée et qui on ne met pas à portée. Oh, bien! La fameuse technique ultra craquée d'Oscar qui permet de se soigner en même temps. C'est bien ça. Ok, ensuite, toi, mets-toi là. Toi, mets-toi là. Allez, on va miser sur du critique, on y croit. Ou pas. Ou pas, tant pis. Ensuite, à toi, hein, écoute, ma foi. Ou pas, toi tu vas jusqu'où? Ah oui, tu vas pas loin, toi. Bon, alors mets-toi là.
toi par là. Et toi, mets-toi là. Et dépose le général. Ensuite, toi... bah en vrai, tu pourrais avancer, toi. Hein, comme ça. Allez, hop. Qui n'a pas joué? Ah bah oui. Ça c'est quand même ballot, hein. C'est quand même ballot, mon gars. Bon. Alors Mia, il est pour toi. Ou pas. Alors Rolf, il est pour toi. Ensuite... mademoiselle. Oh, sérieusement. Foutu chevalier Pégase. Alors, j'aurais aimé que tu le tues pas en vrai, mais bon, pas grave. Général bouge pas, bon ça va alors. Oh quel homme, quel homme, quel homme. Le Soren, quel homme.
Ensuite... Allez, pif paf pouf, faut mourir. Ou pas, c'est vrai, c'est aussi une possibilité. Ah non mais... Non mais alors ça, Boyd, vraiment, c'est sérieux là? Oh, très bien, très bien. Écoute, va à 76. Oh là là. On dirait l'autre, bordel de nuke. C'est bon là? Il y a assez de précision? Et internaute est choqué. Ah mais il a pas attaqué. J'avais une cible. D'accord, ok. J'avais pas capté que la cible c'était pour le déplacement et pas pour l'attaque. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était sûr. L'archer disparaissait. Oh non mais... Ces hommes... Regardez-moi ça, ils esquivent les attaques maintenant. On aura tout vu. On aura tout vu. Ils se mettent à esquiver. N'importe quoi. Voilà, c'est mieux. Le level up. Ensuite, monsieur le mage là, tu peux t'en occuper quand même. Voilà, c'est bien. La lance de fer suffira d'ailleurs, pas besoin d'abîmer les pieux. Ok, ensuite... Attends, il y a quand même eux là, faut faire attention. Donc Soren, va avancer... comment on va faire? Ok,
toi tu peux aller jusqu'où? Jusque là. Ok, jusque là. Attendez. Réfléchis, la Mia elle peut aller jusque là. Elle c'est jamais là. Et lui là. C'est pas une bonne idée. Dans ce cas-là. Je sais pas. Bon, déjà. Est-ce que toi tu peux faire quelque chose? 31. Ah, je t'ai pas mis de lance. Je t'ai pas mis de lance d'argent, toi. J'avais cru. 35, voilà. Allez, tue-le. On va le mettre là. Mia, avance là. Toi, là. Pas mal. Bon, la force sert pas à grand chose, mais c'est pas mal. Toi, là. Toi, là. Et toi, est-ce que si je te mets là, c'est une bonne idée? Bon, ouais, je sais pas. Hein. Donc, toi, mets-toi là. Pour l'instant, après on verra. Ah, c'est bien ça. Bien, Tibarn. Ça, c'était attendu. Voilà. Et normalement, c'est la seule attaque qu'elle devrait pouvoir se prendre. Tu veux faire solaire, c'est maintenant qu'il aurait fallu le faire, tu vois, Oscar. Ça aurait été judicieux de le faire maintenant. Ok, alors à nous. Alors on est toujours dans notre quête d'XP. Donc toi, là. Allez, t'y es presque. Toi, là. Bon, très bien, merci. C'était fort utile. Merci, merci. Attends, par contre, ça marche, hein. Bon, bah écoute, prends-la toi, XP. Hein. Tant pis. Tigrune a eu sa chance. Elle l'a laissé passer. Katori avance. Avance.
toi, prends l'XP. Ou pas. Intéressant. Dans ce cas-là. Voilà, touche-le, ce serait bien d'ailleurs. Voilà, très bien. Je disais donc, toi, prends l'XP. Toi, fais le ménage. Alors maintenant, on calcule pour l'XP. Mia, fais voir un peu. Il est très combien ? Ouais. Donc, il lui ferait 28. Il faudrait que je lui inflige 22 pour le tuer. Ah, les 22, ils y sont pas, hein. À moins qu'il y ait un coup critique, les 22 n'y sont pas. Bon, on va essayer quand même. Ouais, c'est ça. Pas de critique, très bien. Toi, tu vas pas jusqu'à lui, hein. Non, tu vas pas. Évidemment. Alors, qu'est-ce qui serait le plus judicieux? 19. Il n'y a pas quelqu'un qui lui fait pas beaucoup de dégâts, genre 10. Ouais, 19, c'est bien. C'est bien, allez. C'est bien. Voilà. Et toi, tu le termines. Un coup d'épée d'acier. Non. On va assurer la lance de fer. Voilà, l'XP est pour toi. On y pensera. Et voilà. J'avais dit que c'était garanti sans fail aujourd'hui. Elle était plus courte que la précédente, la mission Free. Mia n'est pas de cet avis. Mais Mia, on lui a pas demandé son avis.
Allez. L'armée de l'apôtre Sanaki, dirigée par Ike, remporte une victoire capitale contre Daïn sur le pont de Riven. L'apôtre préfère toutefois ne pas poursuivre les troupes de Daïn qui battent en retraite. Elle juge plus sage de demander au roi Péléas l'autorisation de traverser Daïn. Sa requête restant sans réponse, elle ordonne à ses troupes d'avancer. Prenant soin d'éviter le cœur de Daïn, l'armée longe les montagnes en direction du sud. Et quel roi de pacotille, lui aussi, vraiment. Oh là 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 là. Bah ouais, donc t'es un idiot. C'est la poudre qu'utilisait le chevalier noir dans le 1. Thank you.
Bah, on te l'a dit depuis le début que c'était un couillon. On note que les morts ont des ailes, c'est ça. Oui, il suffit de tuer le prince et le problème est réglé. Aïe 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 aïe.
Allez, donne, donne. Promotion, très bien. Allez, on pose. On va promouvoir quelques soldats. Alors, des bottes, oh, ça augmente la capacité de déplacement de 2, oui, pourquoi pas. Ah ouais, ouais, donne les sous, donne les sous, ouais, 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 donne les sous, donne les sous, allez, blablabla, on s'en fout, donne les sous. Voilà, donne les sous. Bonne journée, internaute. Allez, donne la hache. Ah ouais, le tomahawk, c'est bien. Et mamzelle, wesh. Allez, à plus. OK. Au niveau de l'XP, on a combien là? 5000. Ouais. Toi, t'avais changé. Toi aussi. Toi, t'as pas encore changé de classe. Toi, t'avais changé. Toi, on s'en fout. Toi. Ouais. 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 Ok. Alors, Leonardo. Voilà. Ah non, attendez, j'ai promotion. Alors, attendez, promotion, j'en ai combien? J'en ai combien? J'en ai 2. Très bien. Juste un truc, les bottes. Mouvement 9. 7. 7. 6. 7. 7. 8. 10. Qui ce serait intéressant de donner, parce que Gilles elle a déjà une bonne portée en vrai, donc est-ce que c'est intéressant de lui donner? Peut-être pas. À qui ce serait intéressant de les donner? Ah, j'hésite. Oh si, allez, fais quoi? Allez, tant pis. Plus de portée, hop. Ok. Tiens, tant que j'y suis. Donc, j'ai 2 promotions. Alors. Donc, les promotions. Qui on va promouvoir? Ah, j'hésite, hein. J'ai presque envie de promouvoir Ziark, mais bon, il est que niveau 4, ce serait presque du gâchis, mais bon. De toute façon, je ne peux pas le promouvoir parce qu'il faut qu'il soit niveau 10. Donc en vrai, ouais, je peux même pas les promouvoir. Hein. Ouais, ça ne sert à rien en fait. Bon, bah dans ce cas-là, allez, hop.
Tu peux trouver personne. Ouais, bah oui. C'est ça. Un peu plus de force, ce serait bien, Leonardo. Voilà. Allez, archer d'élite. J'aurais aimé qu'il gagne plus de force et de défense, mais bon, écoutez, c'est déjà ça, hein, on va dire. Et après, j'ai presque envie de donner ça à Ziark, et voilà. Au niveau de l'équipement, j'étais bon, hein, en vrai, je sais pas si j'ai besoin d'acheter des trucs avec eux. Ah bah si, peut-être des épées d'argent. Ah, des lames d'argent, carrément. Ouais, mais ça coûte cher, la lame d'argent. Alors, attendez. Comment j'étais au niveau de l'équipement? Toi, on est bon. Toi, on s'en fout. Toi, un truc d'argent serait pas mal. Toi aussi. Et là, t'as des feuilles d'olivier. Qu'est-ce que tu fais avec des feuilles d'olivier? Donne-les à lui. Voilà. Ouais, bon. Alors. L'épée plutôt que la lame, ça coûte moins cher. Je pourrais en acheter plus. Donc, toi, une épée d'argent. Ziark. Une épée d'argent. Lance d'argent. Parce que les épieux, ça coûte cher. Ouais, mais toi, t'as pas assez de place. Alors, attends. Vendre. Voilà, prends ça. Voilà. Hache d'argent pour toi. Un couteau d'argent. Non, pas un couteau. Dague d'argent. Quoi? Limite un couteau d'argent serait pas mal en fait. Avec ce qui me reste, je peux pas acheter un couteau d'argent. Je peux acheter. Non, moi c'est bon en fait. Hein. C'est bon. Il y a une hache d'argent éventuellement. Je sais pas si. Où est-ce qu'il est? Nolan, ouais. Non, t'as ce qu'il faut, Nolan. Éventuellement. Non, toi, t'as ce qu'il faut aussi. Non, ben on est bon. Allez, c'est bon. On est bon. Hop. Allez, on sauvegarde et on continuera demain pour la suite en espérant que ça vous a plu. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu sur YouTube. Et pour les autres, on se retrouve pour le prochain stream. Allez, bon appétit tout le monde. Salut.